Voilà, dans cette petite vidéo, je vous présente la dernière patine arrivée au showroom. Il s'agit d'une Traxiatrus, platine à entraînement direct à faible couple, avec le bras Schroeder CB Carbone. On a monté dessus une cellule Susurro MK2 de chez Saint-Sulpice. Et on attaque un transfo Trax Trargent avec le cap de bras captif du CV, un cap phase motion CC1200RR, le côté trajant, un phase motion EA550 en mode MM, un dardi LHC 208 modèle 2 et du câblage Hemingway. Dans le cas qui nous habite, il s'agit de la gamme Indigo pour relier les différents appareils ainsi que les Stenheim Alumine 2.5 qui viennent d'avoir un très très bon retour dans haute fidélité. Je vous conseille de lire ce banc d'essai qu'on partagera très certainement bientôt. Eh bien, je vous propose d'écouter un disque qui a marqué pour moi les années 2010, 2011 plus précisément, avec le premier album de Brandt Power Freak, Brandt Power Freak ensemble, qui est un disque qui mélange instruments de musique classique et électronique. Il s'agit ici du premier pressage de 2011, qui était assez recherché jusqu'à ce que il soit réédité récemment par Cassatt et donc vous pouvez l'acheter pour un prix modique. C'est parti. La séparation de canaux de la cellule qui est dosée à plus de 34 dB par canal. Et dans le cas qui habite, 34 dB par canal. Et on est bien sur les petites enceintes Alumine 2.5. Thank you.
platine suspendue. Un très bon garage. Voilà. Bonne soirée à tous. Et au plaisir de vous présenter cette nouvelle Yatrus qui vient de prendre place dans notre showroom parisien. À bientôt.